Bonjour mes élèves, comment ça va Comment allez-vous Vous allez bien Moi ça va. Alors, dans cette vidéo, je vous présente la correction des exercices. Alors, vous avez eu chiesto question sur votre quaderno la forme négative de trois verbes. Le verbe parler, le verbe être et le verbe avoir. Commençons avec le verbe parler. Forme négative. NE et PAS. Prima et dopo il verbo. Diciamo che il NE et il PAS abbracciano il verbo. Uno sta prima, uno sta dopo. Je ne parle pas. Tu ne parles pas. Il ne parle pas. Elle ne parle pas. Nous ne parlons pas. Vous ne parlez pas. Il ne parle pas. Elle ne parle pas. In giallo... Ho sottolineato che cosa? Eh già, le desinenze dei verbi del primo gruppo, perché anche se facciamo la forma negativa, il verbo è sempre lui, eh? Le desinenze dei verbi del primo gruppo non cambiano assolutamente se la forma è affermativa o negativa. Forma negativa del verbo «être». Qui c'era una piccola difficoltà in più perché il verbo être sappiamo che è irregolare, si coniuga in maniera speciale e quindi le forme verbali sono tutte diverse. Quante volte dovrò utilizzare en apostrofe? Tre volte. Un, due e tre, perché tre sono le forme che iniziano per vocale, in questo caso la E. Leggiamolo. Je ne suis pas. Tu n'es pas. Eccolo. Il n'è pas elle n'est pas un altro Nous ne sont pas vous n'êtes pas di nuovo n apostrofe. ils ne sont pas elles ne sont pas quindi devo stare attento a quale persona ho e se devo mettere n apostrofe. verbe avoir ancora diverso perché nel verbe avoir quante forme verbali iniziano per vocale beh guardiamole Toutes, toutes et seize. Donc, à la forme négative, le verbe euh, avoir aura toujours une apostrophe. Leggiamolo. Je n'ai pas. Tu n'as pas. Il n'a pas. Elle n'a pas. Nous n'avons pas. Vous n'avez pas. Ils n'ont pas. Elles n'ont pas. Par exemple, je n'ai pas 13 ans, j'ai 11 ans. Nous n'avons pas de devoir pour demain. Nous abbiamo compiti per demain. D'accord Bien, passons aux exercices sur le livre. Je vous avais donné l'exercice 6 et 7 de la page 73. Et alors bien, on passe à la correction. Voilà. 6. Non, nous le savons. Alors, je vais corriger. Ok, d'accord. Bien. Question et réponse à la forme négative. Répondez négativement à les demandes. Il est grec. Non, il n'est pas grec. Il parle allemand. Il parle allemand. Non, il ne parle pas allemand. Il ne parle pas allemand. Tu es tunisien? Non, je ne suis pas tunisien. Vous parlez espagnol? Non, nous ne parlons pas espagnol. Vous êtes de Milan? Non, nous ne sommes pas de Milan. Il s'appelle Dubois? Non, il ne s'appelle pas Dubois. Quindi, occhio, que qui, quand on a une vocale, nous pouvons faire la liaison. Il ne parle pas allemand et nous ne parlons pas espagnol. Bien, uh, l'exercice 7, on va le voir. 7, eh, oui, je sais que c'est le 7. Ok, bien. Transforma les phrases à la forme négative. Ok, simplement piazzando il le nez et le pas nei les points justes. Voyons. Ils sont marocains. Ils ne sont pas marocains. Je déteste le rouge. Je ne déteste pas le rouge. Elle habite à Nice. Ok, abbiamo una une vocale, anzi un H muta. Elle n'habite pas à Nice. Elle n'habite pas à Nice. 4. Nous avons 14 ans. Nous n'avons pas 14 ans. Elle parle espagnol. Elle ne parle pas espagnol. Attention à la numéro 6. Pourquoi? Parce que nous avons le verbe s'appeler. Donc, son ami s'appelle Pierre. Il son ami, s'appelle si Pierre. per dire il suo amico non si chiama Pierre vediamo dove devono essere messi il ne e il pa son ami ne s'appelle pas Pierre in questo caso il ne deve lasciare posto a sì il suo amico come in italiano Non si chiama poi ci vuole il pa Pierre ok quindi questo verbo s'appelle che Sappiamo usare perché sappiamo dire comment tu t'appelles. Je m'appelle Françoise. Ma vediamolo per bene perché questo verbo ha una particolarità. Il è alla page 26. D'accordo. Il verbo s'appeler. Innanzitutto è un verbo riflessivo, pronominale, cioè un verbo che è accompagnato dalla particella. Io dico: io mi chiamo, tu ti chiami. Lui si chiama, lei si chiama, noi ci chiamiamo, voi vi chiamate, loro si chiamano. Ok? Quindi anche in francese questo verbo ha la sua particella di fronte. Ascoltiamolo. Vediamo un po' se. Unité 1: oui. un. Verbo S'appeler. Exercice 5 Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Cosa ha di particolare questo verbo? Allora, innanzitutto queste mh, particelle che servono per dire io mi chiamo, tu ti chiami, lui si chiama, noi ci chiamiamo. Quindi in francese noi ci chiamiamo raddoppia semplicemente il soggetto, è molto semplice. Non nous appelons. Stessa cosa per il vous, voi vi, vous. Vous, vous appelez. Ok? E poi nuovamente si torna a il s'appelle, il s'appelle. Per quanto riguarda le desinenze, è un verbo del primo gruppo, quindi mantiene E, E, S, E, ons, et, end. E il nostro libro ce le ha sottolineate. Ah, ma io posso ingrandire. Bene. Eh, ce le ha sottolineate in nero, ok? Poi in rosso c'è una particolarità. Perché dice il, nel verbo sapeli il soggetto è sempre seguito dal pronome. Ok, l'abbiamo appena detto. Riflessivo. Je m'appelle, tu t'appelles. I verbi che finiscono in -eler raddoppiano la L al singolare e alla, alle tre persone del singolare e alla terza persona plurale. Vedete un po? Je m'appelle con due L. Tu t'appelles con due L. Il s'appelle con due L. Ma nous appelons e vous vous appelez perdono questa L e rimangono come la forma base dell'infinito. La terza persona plurale ritorna con le prime tre Molto spesso questo accadrà che tra le prime tre persone singolari e l'ultima c'è un pochino di somiglianza, d'accordo? Quindi ricordatevi la particolarità di questo verbo, eh? vi lascio poi da fare alcuni esercizi questi sotto e ve li scrivo eh, sul registro. Bisou! Au revoir!